Après avoir acquis le 9 avril 2024 la totalité des actions de la SUCAF et finalisé le partenariat en vue de la mise en place de la nouvelle sucrerie du Gabon, le gouvernement gabonais met en place des mécanismes intermédiaires pour répondre au manque de sucre dans le pays. Ben, nous sommes dans tout le travail préparatoire. Donc là, il y a une grosse cargaison de sucre qui est arrivée pour justement anticiper sur la pénurie avant de démarrer la saison de sucrerie. Les 11 000 tonnes de sucre réceptionnées le 10 juillet dernier, censées répondre à la pénurie, posent à nouveau la question des volumes importés. Les volumes nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Le processus prend du temps. Il faut, avant de pouvoir produire localement, on a besoin de subvenir à ce petit besoin, éteindre un petit feu pour pouvoir ensuite produire localement. Donc ça va arriver que les populations soient un peu patientes. Pour l'instant, le gouvernement compte répondre à la pénurie de sucre dans le pays en attendant l'achèvement de la construction de l'usine de sucre ainsi que le lancement de la production.